Et bah, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau let's play, un nouvel épisode, un nouveau let's play qui sera sur du Yoshi Craft World. Je suis en compagnie de Titi. Bonjour tout le monde. Alors, Yoshi Craft World, c'est disponible uniquement sur Switch, ainsi de suite. Ce n'est pas un portage de la Wii U, parce qu'il y a eu un Yoshi sur la Wii U. Mais c'était avec des pelotes de laine. C'est ça, avec des pelotes de laine sur Wii U, et là ce sera plus cartonné. Ouais. On fait pas les voix parce que le texte se défile. Si vous voulez lire, lisez. Si vous voulez fermer notre gueule, on fermera pas notre gueule. On va couper le son. On va couper le son, c'est ça. Par derrière. Et puis voilà. Bon, après Yoshi, c'est une licence que j'adule pas, tu vois. Mais je trouve sympa parce que c'est assez posé, assez. Ouais, c'est ça, ça va être un truc détente gamin. En fait, c'est genre on va profiter un peu du game design, des trucs comme ça. Je dirais pas que c'est un jeu pour enfants, mais enfin... Bon, c'est un platformer gentil quoi. Ouais, en fait c'est bien pour se relaxer, et la coop est sur des Yoshi, parce que j'ai fait en coop sur la Wii U, et j'ai testé juste les deux premiers mondes, et c'est le même système, et du coup la coop est vraiment super bien. Est-ce que c'est une coop en mode la Mario Galaxy où t'en as un qui tient une Wiimote et qui ramasse ses étoiles? Non, là on va incarner chacun Yoshi en fait. D'accord, ok, ouais. Et après on va pouvoir s'entraider, on va pouvoir se tirer dessus. Oh. Est-ce qu'on a un score individuel ou pas? Non. Ah. Par contre, tu connais un jeu où il y a un score individuel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un système de concours entre nous. c'est le New Super Mario 3D World sur la Wii U. Un jour, je jouerai à la Wii U. Genre Zelda, quelque chose comme ça. Hein? Aïe aïe aïe. On est parti. C'est un jeu quand même que limite on peut se limiter. On va pas donner un système de temps, mais on peut faire genre un ou deux mondes ou un truc de jeu. Et puis on avance comme ça tranquille, ouais. Donc là, le méchant il a volé tous les joyaux. Du coup, le soleil central il est triste. C'est ça. Et donc les jeux aussi, regardez, ils sont tous tristounets. Ouais. Et donc voilà. Et ce sera pas Bowser qu'on va affronter, ce sera Bowser Junior. Ah, d'accord. Et Kamek, les deux. Est-ce que le Junior il a apparu la première fois dans Mario Sunshine, je crois? Oui, c'est ça, parce que Bowser a eu. Bowser Junior, et Bowser Junior voulait voir qui était sa mère, je crois. Il était à la recherche de sa maman. Oh. Et du coup, Bowser a dit tu la rencontreras. Puis voilà quoi. Mais j'ai jamais fait Sunshine, c'est pas un Mario qui m'a particulièrement attiré. C'est là que j'ai aimé le speedrun. C'est parce que forcément, genre, on m'avait offert une GameCube mais avec le jeu, mais sans carte mémoire. Et donc pour les plus jeunes, une carte mémoire, c'est quoi? Une carte mémoire, maintenant, c'est 12 balles. Arrête. C'est surtout, comment dire, une carte mémoire, c'est quoi? On va dire que c'est l'équivalent de la carte SD autrefois. Et la carte mémoire, c'était là où tu pouvais sauvegarder. Parce que si t'avais pas de carte mémoire... tu jouais sans sauvegarder et du coup ça rajoutait un peu de piquant, tu vois, c'est à dire que tu dis ouais je vais pas sauvegarder, je vais faire tout d'une traite. C'était surtout tout ce que je faisais ça avait servi à rien. Donc voilà, du coup quand on te dit bon bah t'as une heure pour jouer, que t'as pas de carte mémoire, t'essayes d'aller le plus loin, et le plus loin bah ça commence par apprendre un peu le speedrunning, t'apprends tous les niveaux par cœur et voilà. Donc du coup tout ça pour dire pourquoi on était parti sur ça. Bah juste parce qu'on parlait de Mario Sunshine. Voilà, ouais. Mort de rire. N'empêche, la GameCube, j'ai une GameCube à la maison que j'ai acheté sur un coup de tête et tout. Ils sont en train de jouer avec mes cheveux. Et c'est très perturbant. Et en fait, j'ai une GameCube, mais je me suis rendu compte après que si tu veux avoir des jeux intéressants, genre des Mario ou des jeux Nintendo, il faut payer 100€ le jeu. C'est hallucinant, c'est genre le prix d'un jeu neuf quoi. Mais, non, mais même plus hein, parfois. Hein, Ah, c'est toi qui me dirige. Bon, c'est moi le joueur 2. C'est moi qui. Non. Si, c'est toi. Attends, du coup, c'est comment? Ah oui, d'accord, oui. Alors là, du coup, c'est-à-dire que t'as le choix de la ville ou du monde, c'est-à-dire que tu peux aller soit à gauche, soit à droite, tu avances au fur et à mesure. Vois, puis, ouais. Comme les Mario, quoi. Voilà. Au niveau du monde. Mais ça, c'est... En gros, il y a une démo dans le jeu de Yoshi, et la démo, c'est uniquement ce niveau-là. Ah, bah, je l'ai peut-être déjà fait, alors. C'est vrai? Il me semble. Alors, là, la particularité de ce Yoshi... Donc, je suis le rose... C'est le rose? Ah, je suis le vert. Du coup, c'était. Faut que j'arrive à retenir les touches. Alors, c'est quoi les touches? On peut pas sauter? Il est où le smash? Ok, sauter c'est A. Tiens, j'ai habitué que ça soit B. Alors, la particularité avec Yoshi, c'est qu'en fait, tu peux planer, mais de manière indéfiniment. Même pas. Très longtemps.
Qu'est-ce qu'il y a encore à savoir sur Yoshi? Voilà. Là, tu peux balancer un œuf, là, tu peux créer une plate tout le temps, à moins que ce soit déjà créé, ok. Il faudra beaucoup jouer avec les éléments du décor, donc c'est-à-dire que tu pourras. Il y aura forcément des objets cachés et tout ça. Donc là, par exemple, tu peux aller en dessous, tu peux aller au-dessus. C'est vrai que les touches, c'est spécial quand même. Oui, la Matnea pour que ça plate. Bon, ça, on a. Non, mais qui a besoin d'un tutoriel, genre, j'ai envie de dire, voilà quoi. On n'est pas. Ouais. Je veux dire, on n'est pas pro player pour rien quoi. Alors, oui, parfois dans les. Regarde là, t'as des petites cachettes là. Ah, c'est bizarre ce truc avec ça. C'est ça. Parfois, les pièces jaunes, en fait, il y a plusieurs collectibles. T'as des fleurs à collecter. T'as des fleurs à collecter. Tu dois terminer le niveau avec la vie à fond. Et tu as les pièces rouges. Donc là, on peut se chevaucher, on peut faire. C'est assez perturbant ça fait ça. voilà, donc là ça va faire des œufs. Les œufs ça va être utile pour viser. Donc là par exemple ils t'apprennent à viser avec X. Voilà, vas-y. Et là il faut tirer en fait. D'accord, il faut tirer avec. Avec X de nouveau. Ah oui, d'accord, on va. Et du coup ça te enclenche des éléments extérieurs. It's wonderful. Hop, ah. Bon, enfin bref, il y a plein de trucs cachés, ça pousse un peu à l'exploration quand même, l'air de rien, donc c'est relativement sympa. Et c'est un jeu que j'apprécie, c'est pas prise de tête, sauf si on commence à rager. puis voilà, non mais c'est. Ah, mes œufs ! C'est assez sympa. Tiens, t'as un truc à enclencher là. Avec un œuf, j'imagine. Oui, avec un œuf. D'accord. voilà, c'est de la vie. T'as aussi maintenant, t'as les éléments de gameplay derrière, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au décor derrière, parce que interagir avec les décors derrière. Il y a une. Comment on appelle ça? Une fleur. Un background. Regarde dans le cadeau, t'as peut-être quelque chose. Je vais essayer de le faire. Hop. Bon, après, on sait pas si on va faire le 100%, honnêtement, on verra bien. Mais on va y réfléchir, quoi. Parce que c'est quand même très long, 100%. C'est. Voilà, donc là, attends. Hop, on va taper dedans. Voilà. Mais cet aspect carton, j'aime beaucoup. Bah, en tout cas, c'est vraiment joli. Hein. C'est beau, hein. Petit Jacob Hunt, du coup. Attention, le scénario. Enfin, c'est un scénario, hein. Vous êtes des méchants, ouais. Vous semblez gentils. Oh, ils ont tout cassé. Et même, tu sais, les objets comme ça, c'est fait avec des. Enfin, avec des objets vraiment. Enfin, je trouve ça sympa. C'est assez joli, tu vois. C'est pas sur une PlayStation qu'on a tout ça, quoi. Ouais, ils avaient fait un truc là sur PlayStation, genre My Little World ou un truc comme ça, non? Oui, c'est Little Big Planet. Oui. Attends, il y a des pièces là. Alors. Hop. Voilà. Par exemple, là, j'ai les cœurs à fond. Donc ça veut dire que si jamais à la fin du niveau j'ai toute ma vie, ça débloque un truc en fait, ça fait un petit succès on va dire. Et là tu vois, on peut par exemple aller chacun de le côté derrière, on peut faire notre vie, enfin c'est pas obligé de me suivre en fait. Après forcément pour la caméra mais... C'est ça. Mais bon après ça reste quand même assez libre tu vois, donc c'est sympa. Je t'en rejoins. Est-ce qu'il y a un truc là? Attends, parce que j'ai l'impression qu'il y a un autre. Là j'ai une maison, qui me suit. Ah d'accord, oui, là, c'est pour le train. C'est ça. Là je suis en train. Donc en gros, faut pas avoir peur d'interagir avec les décors quoi. Tu peux tout. Yeah. Par contre, ce petit son là. Le... C'est assez chiant hein, au fur et à mesure. Hein. Par contre, t'as plus qu'une vie, non? Ouais. T'as plus qu'un cœur. Bah là, c'est la décadence. Hop, il y a encore un truc là. Aussi, tu sais que je peux te prendre et te jeter. Genre, comme ça, si on a plus d'œufs, on peut faire ça comme ça, tu vois. Ah, bah en plus, tu prends tout. Du coup, si tu fais ça, tu prends tous mes œufs. Attends, mais là, on trucs, pouvait y aller, je crois, ouais. Dessus, non? Oh, yeah. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En fait, ça mène à rien. Je sais pas. La maison, là, elle se casse pas, non? Non. Ah, il y a un masque, ça. Là, tu sais, j'ai la petite maison, là. Il nous faut. Bah, en fait, j'ai pas d'œuf. Oui. Attends. Non, ça se fonctionnera pas. Ah si? Ah si. Bah, d'accord, merci. Apprendre à viser. C'est bon. Ah, pardon, je te crache. Vas-y. Tu veux quelques petits trucs? Tiens. Allez. Tiens.
ta gueule. Alors ensuite là. Oh, j'ai eu les deux. Mince. Attends, il y a des pièces derrière. Hop. Hop. Je. Mince. Ah, on peut l'attendre, on peut aller à la petite maison. Hop. Ok. Attends. Hop. La petite fleur. D'ailleurs, oui, donc dans chaque niveau, il y aura tout le temps 5 fleurs à récolter. Hein. Attends, il y a un truc. Je sens déjà que ça va rager si. Attends. Si quoi? Si on trouve pas tout. Ah non, pas forcément. Après, je te dis, 100% n'est pas obligatoire. Hein. Si. C'est obligatoire, d'accord. Parce qu'en vrai, il y a plein de trucs à collecter. T'as les fleurs, t'as les pièces rouges, ouais. T'as la vie. Fin... Voilà, ça veut dire que si on fait un 100%, faut forcément à chaque fois revenir, tu vois. Faut pas hésiter à faire plusieurs fois le niveau. Par contre, là, tu vois, il nous manque une fleur, par exemple. Enfin, après, le niveau est pas fini. Voilà. Bon, et voilà, on a refait le train. Le chouchou, il fonctionne. Alors là, on va embarquer sur le chouchou. Pourquoi j'ai pris cet accent? J'ai pris un accent russe. Voilà, c'est parti. Donc là, on sent bien quand même le petit truc, t'es sur un train, faut interagir, tu vois, faut viser. Voilà, par exemple, avec ça là. Oh, des cas. En vrai, franchement, le jeu il est joli hein, quand même. Ouais, il est beau. C'est, on va dire, oui, mais c'est pas réaliste comme un Call of. On arrête, ok. Personne qui dit ça. Oh, y'a masse, on a loupé un masque là. Ah, bon, tant pis. Après, je sais pas si on peut retourner dans le train pour faire demi-tour. Ah, une fleur. Oh mince, non. Non. Ah. Voilà. Ça sera un niveau à refaire. Non. Non, après le 100% n'est pas obligatoire. C'est vraiment optionnel. Voilà. Du coup, voilà, on va pouvoir voir en fait à la fin. En derrière avec les étoiles en mode. C'est future taunt de Smash Bros, tu sais. Du coup, en gros là, t'as tout le résumé, les 5 fleurs, sachant que la fleur on l'a vu passer, tu vois. On a eu obtenir 100 pièces minimum, il y a eu des cœurs, enfin voilà quoi. Donc c'est quand même relativement bien c'est détaillé. C'est wonderful. C'est ça. Mais vraiment, pour faire 100%, ouais, non, franchement, le jeu il est stylé quand même. Ouais. Voilà, donc là on a ouvert le prochain passage pour un prochain niveau. Je te propose qu'on fait le prochain niveau. Ouais, ça me va, ouais. Nickel. J'avais une... Attends, si seulement j'ai une fleur souriante. Oui, j'ai une fleur souriante. Non, donne-lui pas. Pourquoi? Mais parce que... C'est une fleur souriante. Il sourit à la vie. Ouais. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je me remercie, je me sens bien. J'ai dégagé le passage vers la région suivante. Ah d'accord, il fallait forcément une fleur pour passer. Bon. Oh, le jeu il est joli. Tu vas dire ça à chaque fois? Oui. C'est vrai? Ça va être un peu le... Porfil buste. Cette fleur m'a complètement requinqué. Je m'appelle Junior. Junior Bricolo? Oh voilà, dis donc. Yoshin? Ouais. Moi ici. Yoshi n'est pas ce que tu fais, tu parles. Ah, tu cherches des gemmes. Laisse-moi réfléchir. Oui, je suis à peu près sûr que c'était juste là. Ah, c'est loin. Ah, d'accord, ouais, donc genre tous les 5 niveaux, on aura une gemme, c'est ça? Je sais pas si c'est tous les 5 niveaux, mais. On va voir, hein. On va voir. Ouais. Ça fait 20 niveaux. Mais au début j'avais peur parce que je pensais en fait que... par exemple là c'était un monde, tu sais, et t'avais plusieurs niveaux dans ce monde là. Ah en oui, fait ouais. C'est vraiment séparé en monde. Enfin en niveau. Oh, et bah là du coup comme un poisson dans l'eau. Oh, l'expression on va nager. Des années 30. Attends, de toute façon dans un jeu de plateforme il y a toujours une tradition. Regardez toujours derrière soi parce qu'il y a peut-être quelque chose, tu vois. Tiens, on va voir. Mais non mais... Ça va être long. Apprendre à aimer. Alors là, ok. Bah t'as, on, y a plus la tortue. J'ai plus la tortue. Non parce que. Ça va aller. Attends, hop. Ah d'accord. Ok. Là. Ok. Parce que après, y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les pièces rouges, on peut pas savoir d'avance quelles pièces jaunes sont des pièces rouges entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les récupérer pour ouais. Savoir si c'est des pièces rouges. Après, il y en a qui semblent logiques, hein. C'est quand tu vois par exemple une pièce isolée au loin, tu dis oh là là, c'est une pièce rouge. Tu veux voir le tuto ou on se débrouille? C'est pour les faibles. Ok. Sachant que, en fait, au début du jeu, il y avait deux modes. Il y avait le mode relax. J'allais tutoyer les gens. Il y avait le mode relax.
et le mode classique. On a pris le mode classique, en gros c'est le mode relax, c'est-à-dire que, comment dire, c'était plus... Plus relax. En gros c'était le mode très facile, sans prise de tête, alors que le mode classique, bah, c'est tu joues au jeu normalement. Génial, je me suis blessé moi-même. C'est bien Nils. Oh, ok. Là par contre, attends, j'ai gobé ça. Et est-ce que tu peux... Ouais, il y a une fleur derrière. S'il te plaît. Il y a une fleur? Ah oui. Ouais, là-bas, regarde. Décor, d'accord. Décor derrière. Et moi je trouve ça sympa que t'as un peu en fait, l'aspect 3D dans la 2D. Mais tu te rends compte comment... du coup je me dis, mais comment ils ont fait pour coder ça? C'est insane. Hein. Genre on se déplace en mode en 2D, tu vois, et... Et enfin, ils sont vraiment pas sur le même plan d'existence que nous, tu vois, les objets dans le décor. Ouais, ouais. C'est ça qui est... Bah, le simple fait que t'as l'interaction avec le décor... Tiens, regarde, je vais prendre... Le simple fait que tu peux interagir le décor sans que toi que tu puisses y aller... Voilà, quoi. Ça, qu'est-ce que c'est? Wow. Beautiful. Ah, attends, il y a peut-être un truc là. Alors, ça, oui, du coup, le monde là, je crois, j'ai déjà fait aussi. Et si tu veux, je te préviendrai à partir de quand je l'ai pas fait. Ce monde-là, je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait aussi le prochain. Mais c'est tout. Mais après, j'ai peut-être un vague souvenir. Par contre, j'ai plus qu'un cœur. Mais... Ça va bientôt être la mort. Aïe, aïe, aïe. Mais attends, on peut mourir dans le monde de Yoshi? Oui. Mais c'est pas friendly, ça. C'est pas friendly. Hop. Là, il y a... Oh là là, mais quel jet! Oui, on perd beaucoup de cœur, quand même. Je suis mort. Attends, il y a peut-être un truc en bas, tu sais. Ah. Oh, il faut que je te touche. Oui, ah. Voilà, c'est bon. Findus. Ce checkpoint ferait penser au jingle Findus, tu sais. Pour ceux qui ont connu, hein, parce que... Bien sûr, je suis vieux, hein, donc... Findus... Je suis vieux, j'ai 35 ans. Aïe, aïe, aïe. 35 ans, c'est... Déjà, ouais. Ouais, c'est fou. T'as pas le toucher, là, ça? Oula. Prends le timer, ça va me stresser. Là, quand il y a un timer, ça me stresse. Oh, une fleur! Je suis sûr qu'on a raté. Oh, même pas! Attends, regarde, il y a peut-être un truc en bas. T'es mort, en là-bas. Fait. Là-bas? Ah, mais... Ouais, regarde là. Hop, est-ce qu'il y a un truc qui va apparaître? Yes, une pièce. Ok. Ensuite, là. Non, il y a rien. Ok. Bon, magnifique. C'est bon. Magnifique. On n'a pas regardé tellement le décor derrière. Ok. Je vais en bas. C'est une très mauvaise idée. Est-ce que ça on peut les shooter? Attends, les poissons là. Ouais. Ok. Ah si, t'as un truc en bas, ouais. Okay. Est-ce que les rochers derrière on peut interagir? En vrai, maintenant, vu que je sais que les décors t'es derrière, on peut interagir, je vais tout... Regarde, il y avait quelque chose. Tout. Non, c'est la boîte, là, le transport, la plateforme. Je shoot là, la plateforme. La plateforme? Oui. Ah. Ah non. Je sais pas. Bah si, pourquoi ça... Bah je sais pas, bon bah... Oula. Ah lui, ça donne des œufs à l'infini, on va dire. Hop. Merci. Oh! Money, money! Money, money! Est-ce que on peut interagir avec ça? Ah, on peut interagir avec les trucs derrière là. C'est insane. Combo. Ouais. C'est ça? Non, on peut pas interagir. Okay. Putain, je suis où? Ah, je suis en haut. Oh, t'es mort? Chais. Je croyais que j'étais le vert moi depuis le début. Ah bon? Non, c'est pas. C'est pas l'excuse de ce match. Hein. Hop, 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 ok. Ah, en haut. Des cœurs. Petit truc paisible, tout joli. Ouais, même la musique, tu sais, elle est apaisante. Ça veut du coup rien à voir, hein, ça me fait penser à Stardew Valley, en fait. Que j'ai d'ailleurs pas de chez Fer qui est sorti. Ouais, j'ai vu ça sur Switch, ouais. Et du coup, bah, j'attendais en fait pour jouer à Stardew Valley le pas de chez Fer, et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai toujours pas commencé. Ouais, franchement, ce jeu, il est paisible, c'est ça. Bon, après, on peut se fight, hein, quand même, mais bon. Attends, est-ce que... Attends, je vais regarder si on peut pas... Ah, décor derrière. Ah oui, on peut... Ok. Hop. Et là, je pense que tu... Ah, t'as... Là, non, t'as plus la tortue. Bon. Ok. Sinon, on va rechercher des œufs derrière, hein, s'il le faut. Ou alors, bah attends, une solution plus simple. Viens. Voilà. Voilà, allez.
Comme quoi, la coop, c'est toujours plus facile. Ouais. Ah bah. Mais il s'est pas accroché, il a des bras, ce mec. C'est pas grave. Ça, ouais. On t'aime bien quand même. Arrête. Tiens, regarde. Tu essayes de dégaucher le... C'est toi, non, qui est... Non, non, c'est toi. Parce que t'es au-dessus, du coup, c'est toi qui peux tirer, moi je peux pas. Faut appuyer sur la même touche que pour viser. Ouais, ouais. C'est pas instinctif quand même. C'est pas instinctif. Ah bah. Bravo. Même si c'est de ma faute. Avec quoi on peut interagir? Est-ce qu'on peut... Pour le PQ, non? Est-ce que là, non? Comment on peut faire? Là, le... Attends, il y a un truc là. Ah, par contre, ouais, on a pas d'œuf. Tiens, bah, vas-y, c'est pas grave, on se bouffe. Est-ce que... Bah, en fait, c'est juste que... Je peux te bouffer. Vas-y. Mais je peux pas viser en soi. Tu vois. À moins que... Tu peux pas me pondre? Non. Mais attends, regarde ici, ah, là. Ah oui, bah oui, il y a un chemin. Oh là là, il y a aucune observation. Hop. Bon. Vite. Vas-y, occupe-toi de l'autre, là. Attends, je suis sûr qu'il y avait un truc sur... Non, on peut pas aller sur toi. J'ai cru qu'il y avait un truc, mais... À droite, là, 100% le crabe, on peut le taper. Ouais, bah j'étais sûr aussi qu'on pouvait le taper. Et là, du coup, on a... Je crois qu'on a apporté toutes les fleurs dans la lignée. Oh, regarde en bas. Attends. Je vais regarder... J'ai shooté en bas, là. Est-ce que ça va faire un effet de rebond? Ouais, ça va faire un effet de rebond, génial. Ah, reviens. Mince, j'appuie sur la mauvaise touche, je pense en T. Wouah, toutes les fleurs! It's wonderful. Ah, je suis sûr. Attends, il y a un truc sur toi là, sur moi. Hop. Oh là là. Oh, tu sens la pièce rouge qui va nous manquer? Oui, bah, de toute façon. Oh. À moins qu'elle soit là. Non. À moins qu'elle soit là. Non plus. Non. Pas ça. Après ça va, ils sont généreux, assez... Oh, hey, l'orthophonie aujourd'hui. Ils sont assez généreux dans le système où tu peux planer, parce qu'en vrai, tu peux enchaîner, tu vois. Non ! Ta-ta-la-ta-ta-ta-ta. Pièce rouge. Bah tant pis. Eh ben, belle découverte en tout cas, c'est joli tout plein. Oui. Bon. Est-ce qu'on fait un dernier niveau ? J'ai envie de dire, on s'arrête là, hein, c'est pas bien. Tu veux qu'on s'arrête là ? Ouais. Comme ça, ça fait une vidéo moyenne, tu vois. Bah, comme tu veux. Comme tu le sens. Ouais, je vais. Voilà. Bon. On va voir vite fait le niveau qui a l'air d'être un. Oh, un truc de pirate. Wonderful. Adieu si je t'ennuie, hein. bon. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, nouveau let's play. Bah, écoutez. On vous dit à la prochaine. Ce sera tous les mardis d'ailleurs, les Yoshi, du coup. Ok. On se dit ça ? Ouais. On se dit bah, du coup à mardi prochain pour les Yoshi. Et puis à bientôt. Et à bientôt, du coup. Allez, bisous. Ouais. Bye.